Bonjour, donc je vais me présenter. Je suis Didier Paillard, responsable d'affaires pour la direction régionale AFPA. Voilà, ma fonction, c'est une fonction de commercial. Donc la rencontre avec les entreprises et souvent donc recherche de candidats, de jeunes, des fois moins jeunes, mais souvent de jeunes pour pallier à des problèmes de recrutement des entreprises. Je suis devenu parrain parce que effectivement j'étais souvent en lien avec les missions locales pour des offres d'emploi justement. Quand j'ai des offres d'emploi des entreprises, donc je cherche soit Pôle emploi, soit les missions locales donc, pour proposer toutes ces offres aux candidats. Et pour moi, c'est important parce que ça me permet d'aider des jeunes, hein, puisqu'on là, on parle de la mission locale, donc à s'insérer, à trouver une voie. Ce n'est pas toujours évident, des fois on peut se tromper. Et donc là, ça permet, moi, je viens pour aider à trouver un emploi quand des entreprises me confient le recrutement de postes de travail. Mais des fois, j'aide aussi également dans mon rôle de parrain à entrer en formation à l'AFPA ou sur d'autres formations. Je peux aussi conseiller, hein, le fait que je sois commercial, donc je rencontre énormément d'entreprises. Ça me permet d'avoir une vision aussi des métiers qui recrutent, ceux qui recrutent un petit peu moins. Donc je peux aussi orienter des jeunes sur des voies professionnelles. Moi, personnellement aussi, j'avais un parcours à l'école au départ plutôt sur de la maintenance industrielle et ça ne me plaisait pas beaucoup. Donc j'ai arrêté mon parcours de formation et c'est la mission locale qui m'a aidé à me repositionner et puis au final à faire un autre métier, à m'orienter plutôt vers la vente. Et donc j'ai fait un contrat à l'époque, c'était des contrats de qualification pour justement trouver un emploi dans la vente et puis avoir un diplôme dans la vente. Voilà, donc c'est vrai que je suis pas mal placé pour pouvoir en parler aux jeunes.